L'amour à tous les bons côtés, toutes les bonnes expressions, tous les bons sentiments, à moins que ce ne soit pas de l'amour. L'amour n'a aucun respect pour la race, encore moins pour une phase définitive. L'amour vient d'une manière unique et extraordinaire que tu ne peux jamais, jamais imaginer. Oui, je sais, je le comprends. Oui, c'est exactement de ça que je parle. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce contrat avec King Enterprise. Impossible. Cette entreprise a atteint le record du plus grand nombre de partenariats avec mon organisation. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je sais. Peu importe ce que cela veut dire, Écoute. Allô? 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 Ma batterie? Où se trouve l'autre téléphone? Ah, où est ce fichu téléphone? Devinez qui est rentré du boulot. Salut bébé. Alors dis-moi, comment était le boulot? Ah, ennuyant, j'imagine. Oh, désolé, c'est ce truc que j'ai à faire. Oh, s'il te plaît, garde-le pour ton boulot. Allez bébé, détends-toi. Allez, bois. C'est bon, merci, c'est bon. Je crois que j'en ai pris assez, je dois juste régler ce truc. Je m'en doutais. Tu sais quoi? Je crois que ce serait mieux pour toi de faire de ton boulot ta copine. Tu es tellement ennuyant. Bon Dieu. Bébé? Bébé? Mon téléphone, où est-ce qu'il se trouve? Bonjour, monsieur. Don, toi et moi allons avoir de sérieux problèmes dans cette entreprise si tu continues à m'appeler monsieur, ok? Je veux dire, si dire monsieur Jude constitue pour toi un calvaire, alors c'est pas la peine de me saluer, j'espère que tu le sais. Je m'en excuse, monsieur. C'est bon, vas-y, dis-moi, quel est le souci? Monsieur, notre problème de perdre nos clients potentiels a été à la hausse. Juste la semaine passée, nous avons perdu 3 clients et Bradford Technology est sur le point de les rejoindre. Tu es sérieux là? C'est pas possible, je veux dire... C'est notre actionnaire majoritaire, nous devons immédiatement faire quelque chose. C'est exactement pourquoi je suis venu vers vous. En fait, je crois que nous devrons ouvrir nos portes à plus de gens créatifs, des gens qui sont experts dans ce domaine, parce que ces autres entreprises croient qu'ils peuvent avoir des meilleures publicités de nos clients. Ouais, tu as raison, c'est vrai, ouvre des portes pour des entretiens. Ok, je veux dire, tu sais bien que la force de cette entreprise repose sur ses clients, nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre, nous ne pouvons pas nous passer de leur argent. Bien sûr, continue. Nous pouvons. La dernière fois que j'ai regardé, cette entreprise vaut plus de 1 million de Naira. Ouais, alors... Vas-y, alors. D'accord, je vais répondre à la nouvelle. Immédiatement. Merci bien. Dan, j'ai dit... Oh. Nidubisi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur. Oui. Spring Media demande une ristourne de 5 millions de Naira. Allons-nous réellement le faire vu que la pub est très mal payée? Père, donne-moi ça. Je lirai d'abord. Je m'en occuperai, ok? JPS, hey! Ah, oui. Viens là. Tu sais danser, Carly, n'est-ce pas? Un autre pas de danse. Allez, vas-y, danse, danse, danse comme tu sais le faire. Hey, arrêtez ça. Arrêtez. Tu as vraiment le feeling, hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ça c'est un bureau. Vous devez être assez responsable pour savoir que ça c'est un bureau. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Que voulez-vous dire par qu'est-ce que ça fait? Est-ce que cet endroit vous a l'air d'être une boîte de nuit? On ne fait pas ça, retournez dans votre bureau. Et je suis sûre que vous avez assez de travail sur votre table. Désolé. Désolé pour tout ça, vous savez... je suis très content. Ça ne suffit pas. Baissez le volume ou éteignez-le. D'accord, je vais essayer. Ici, c'est un bureau. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est bon. Et aussi, mes félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Car le nombre de gens qui sont venus aujourd'hui, toute une foule, c'était énorme. Cependant, nous aurons besoin des services juste d'une personne. Et la personne qui prendra cette décision est le PDG de cette organisation. En honneur, il est juste là. Félicitations. Je pensais que t'avais terminé avec ça. Je voulais que vous les voyiez. Allez, ce n'était vraiment pas nécessaire, ok? Celui d'entre vous qui sera accepté recevra un message, alors... Bonne chance, hein? Don, j'aurai besoin de toi dans mon bureau tout de suite. D'accord, patron. Alors... Bonne chance. Il est le PDG? Oui, c'est le PDG. Félicitations à vous. On se verra une autre fois. Bienvenue, maman. Alors, comment ça s'est passé? Horrible. Je ne pense pas que j'aurai ce travail. J'ai foiré énormément. Ce n'est pas possible, maman. Tu es très créatif quand il s'agit de ton domaine. Je crois qu'ils vont t'appeler. J'ai indirectement insulté le PDG. Quoi? Pourquoi? Il était... je ne crois pas que ce travail était fait pour moi. Pour une telle entreprise, il est tellement jeune. Un jeune PDG. C'est tellement inspirant. Hey! Je parle du travail que je viens de perdre et tu es ici, c'est tellement inspirant. Ne sois pas triste, maman. Ils vont t'appeler. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, je suis pas d'humeur pour... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? On vient juste de me donner le travail. Oh, waouh! Félicitations, maman. Merci. Maman, je suis tellement contente pour toi. Tu vois, l'impossible n'est rien pour ceux qui croient au créateur. Enfin, il y aura de l'argent pour ma scolarité. T'es une enfant chanceuse. Viens là. Ceci mérite d'être fêté. Oui. Mon petit ami, le bourreau de travail. Si ce travail que tu fais n'était pas un casse-pied, on allait sortir ensemble. De toutes les façons, je m'en vais. J'espère que t'es pas en train d'aller en boîte. Parce que la dernière fois que t'es allé là-bas, quand t'es rentré, c'était pas vraiment beau à voir. Bébé, j'irai bien. D'ailleurs, c'est une fête d'anniversaire et c'est strictement sur invitation. Une sécurité maximale garantie. Tu sais comment je le fais, non, bébé? Bien là, tu vas me manquer. Prends soin de toi, ok? Bonne nuit. Bonne nuit. Et appelle-moi quand tu seras excitée. Tu sais. Et si je te disais que je suis déjà excitée? C'est une blague. Bye. Oui, vous pouvez entrer. Bonjour, monsieur. Appelez-moi monsieur Jude. Bonjour. J'espère que tout va bien avec vos collègues. Oh, oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur Jude. Je m'excuse vraiment pour l'incident au bureau l'autre jour. Je n'avais aucune idée que vous étiez le PDG. Vous savez quoi? C'est bon, il n'y a pas de souci. Vous êtes pardonné, d'accord? D'accord. Donc... Oh, nous y voilà. Voilà un contrat pour cette semaine, ok? Alors je veux que vous examiniez le produit et que vous me proposiez des idées créatives pour le commercial et j'ai besoin de ça le plus tôt possible. D'accord, monsieur. Monsieur Jude. Une fois de plus, je suis désolé, monsieur Jude. Monsieur Jude, monsieur Jude. Alors, la Milk n'est juste pas un lait ordinaire. C'est le véritable réhausseur de goût pour les champions. Intéressant, formidable. Merci. Intéressant, formidable. Intéressant. Merci. Excellent travail, je dois dire. Vous avez fait un travail merveilleux. Merci, monsieur Jude. Ok. Aussi, je voudrais que vous me transfériez tous les détails et tous les différents volets qu'on utilisera. Ce commercial doit être publié cette semaine sans faute. Félicitations, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fantastique. Merci beaucoup. Super, bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Je dois admettre que je suis vraiment très impressionné. Vous savez, par les idées que vous avez pour cette firme, vous avez abattu un très grand travail en peu de temps, vous savez. Si vous continuez comme ça, il y a de très grandes chances que vous soyez rapidement promu. Je ferai de mon mieux, monsieur. Félicitations, vous le méritez, ok? Merci. Merci. Salut, bébé. J'ai une très grande nouvelle. Une nouvelle excitante. Tu sais, je me sens vraiment soulagé par rapport à la nouvelle employée que nous avons engagée. Elle est pleine de bonnes idées pour l'équipe. Tu n'as pas idée des choses incroyables qu'elle a développées récemment. Je pense que nous devrions boire à ça parce que... Bébé? Ouf. Bébé? Quoi? Tu n'as pas écouté ou même entendu tout ce que je viens de dire? Je ne sais pas, mais je suis sûre que c'est ennuyant. Vraiment? Vraiment. Oh, vous êtes ici. Je vous ai cherché partout. C'est très chaud. Pourquoi? À Bagdad. Nous avons un énorme problème. Voilà la dernière publicité que nous avons créée pour Paramine. Les boissons alcooliques ont été rejetées. Si nous ne gagnons pas quelque chose pour eux avant demain, j'ai peur qu'on perde le contrat. As-tu un plan pour moi ? Non, non. J'ai juste ressenti que c'était impossible de faire un truc vite fait pour eux avant demain. Ok, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rassembler tout le monde. Il faut que je leur parle immédiatement. D'accord. Écoutez, je ne veux pas qu'on perde du temps à s'acharner sur le coupable de cette publicité insensée, ok? Mais il est important que vous réfléchissiez tous pour trouver une solution, ok? Nous avons juste aujourd'hui. Oui, je le sais. Ok, alors tous les travaux prévus pour aujourd'hui sont suspendus. Nous ne pouvons pas perdre ça. Nous devons à tout prix récupérer nos clients. Ok, alors retournez tous à vos postes et trouvez une solution. Tout le monde au travail. Voilà. Dan? Boss. Où est Clara? Oh, elle est allée déjeuner. Oh, je vois. Alors, quoi de neuf? Une bonne nouvelle? Patron, je n'ai rien. Attends une minute. J'espère que vous savez tous que vous allez devoir rester une grande partie de la nuit pour travailler pour réduire les dommages. Ok, pour ce faire, je suggère que nous changions de lieu. Ma maison, par exemple. Ce serait mieux, ok? Ok. Bon, ouais. Quand Clara sera de retour de sa pause, n'oublie pas de lui dire ce qui a été décidé. N'oublie pas. Ok. Qu'est-ce que t'as là? Pas grand-chose, mais j'ai pu avoir ça. Dan? Oui, patron. Tiens. Merci. Clara? Prenez ceci. Oh, merci. Ne vous dérangez pas. Je vais manger à mon arrivée chez moi. Je sais, mais ceci n'est pas de la nourriture, vous savez. C'est juste un jus et je veux dire, vous avez travaillé toute la journée. C'était juste pour calmer vos nerfs. Je dois juste retourner à ça. Voilà ce que j'ai pu avoir. Oh. Nous travaillons encore. Pas mal. Tiens, fais-lui voir ça. Ouais, ça me semble bien. Je crois qu'avec ça, nous avons un ajout. Ouais, je sais. Mais je tiens à vous remercier tous les deux. Restez aussi tard pour produire ce travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dan, tu n'as pas vraiment de soucis. Toi et moi, nous sommes presque voisins, alors. Je n'ai aucun souci. C'est pas loin de la maison. C'est cool. Pareil pour moi. Ma maison n'est pas loin. Tu en es certaine? Je veux dire, vous pouvez dormir dans la chambre d'amis. Bien sûr, si cela ne vous dérange pas. Merci, monsieur Jude. Bonne nuit. Bonne nuit, patron. Ok, Dan. Et merci beaucoup, patron. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, boss. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, bienvenue. Hey, Dan. Dis-moi que tu as une bonne nouvelle pour moi. Ils ont aimé l'idée. Ah, super. Et avec cette positivité de notre côté, je crois que nous serons capables d'attirer plus de clients. Bien. Je veux dire, c'est ce que je vous dis toujours. Ça, c'est le fruit de votre travail. Eh bien, j'apprécie vraiment, mais tout le mérite va à Clara. En fait, à part le mental et la capacité créative et tout le reste, elle s'est assurée que le plan soit parfait. Wow. C'est d'accord. Ok, t'as qu'à dire à Clara de venir dans mon bureau, ok? Ok, Clara m'a demandé de vous donner ceci. Ok, merci. Comment vas-tu aujourd'hui, Carly? Je vais bien, monsieur. Encore. C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Allez. Ma voiture a encore recommencé. Elle est endommagée. Je suis en route pour le boulot, mais je ne pense pas que je pourrais la porter au bureau comme ça. Est-ce que tu es à ton atelier? Je ne peux pas la porter au bureau comme ça. Je ne peux pas conduire au bureau comme ça. Je la porte à ton atelier sur le champ. Elle est endommagée et le volant est très dur. J'arrive sur le champ, s'il te plaît. Oui. Bye. Je ne comprends pas. Oh, Dieu. Mince. Le volant est très dur. Allô, allez? Ma voiture vient juste de s'arrêter près de ton garage. Le long de cette rue, le long de la route. S'il te plaît, viens la regarder, s'il te plaît. Le long de ton garage, ma voiture s'est juste arrêtée là. Ok, sors, tu vas me voir le long de la route. Oui. Ok. Bonjour, madame. Mon patron, Wally, m'a envoyé ouvrir la voiture. Où est ton patron? Madame, je peux faire le travail. Je peux ouvrir le capot pour vous. Allez, va appeler ton patron pour qu'il t'envoie venir le faire. Je peux ouvrir le capot, je peux le faire. Quelque chose ne va pas chez toi? Laissez-moi ouvrir le capot, madame. Je t'ai dit d'aller appeler ton patron, dis-lui de venir arranger ça. Il envoie son apprenti. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi ce genre de bêtise? N'importe quoi. Je suis en train de l'attendre et il a décidé de m'envoyer son apprenti. Madame, bonjour, madame. C'est quoi ce genre de bêtises? Pourquoi tu m'envoies ton apprenti? Pourquoi? Vous fâchez pas, juste que les clients sont... Et alors quoi? C'est pourquoi tu m'as envoyé ton apprenti? C'est un stupide garçon, ne vous fâchez pas. S'il vous plaît, ouvrez le capot. Pardon, viens le faire toi-même. Dégage, dégage de là. Quand tu devais faire ton travail, tu ne peux pas le faire. Tu viens faire du n'importe quoi. Ah, madame, ce n'est pas un problème. Il faut juste fixer ça. Madame, démarrez. Allez-y, accélérez doucement, madame. Viens conduire. Allez, conduis-la toi-même. Vous êtes la meilleure. Où est la clé? Vas-y, donne-moi la clé. Dépêche-toi. Fais vite. Ne vous inquiétez pas, cette voiture sera prête dans environ 30 minutes. Mais je vais au bureau, je suis déjà en retard. Vous savez quoi? Allez-y, je viendrai avec. Ne vous inquiétez pas, je viendrai avec. Je ne veux pas entendre d'histoire. Ne vous en faites pas, pas de souci. Wéré! Wéré! Tunde! Tunde! Voyez-vous, quand je vous ai rencontré pour la première fois, Clara, votre disposition m'a fait penser que vous pourriez être un très grand atout dans cette entreprise. Et la vérité est que vous engager est une très bonne décision car vous ne m'avez pas déçu. Et je suis fier de ça. Je vais donner mon meilleur, monsieur Jude. Oui, je sais. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous dire tout ça. Après votre promotion de la semaine dernière, voici. J'ai ici pour vous. Voici un chèque d'1 million de naira. C'est juste là un petit geste pour vous encourager dans la dynamique de travail que vous avez commencé à battre dans cette entreprise. Merci beaucoup. Merci, mais je ne peux pas prendre ça. Allez, Clara, vous n'êtes pas obligée de jouer la modeste, ok? C'est juste des encouragements du patron. Je crois que je vais me contenter de mon salaire. Tout autre pourboire ne marche pas pour moi. Vous pouvez l'utiliser pour féliciter votre personnel pour avoir gagné le commercial. Vraiment. Ce serait égoïste de ma part. Autre chose, monsieur? J'ai beaucoup de travail sur ma table, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, allez travailler. Merci. Oui, j'écoute. Madame, en fait, je dois tout refaire. Le truc, c'est que je dois changer les joints et les bougies. Il y a aussi les amortisseurs. Oh, s'il te plaît. N'as-tu pas changé toutes ces choses que tu mentionnes? Ne les as-tu pas changées la semaine dernière? Ah. Dégage de là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait juste une semaine que j'ai acheté cette voiture et maintenant je ne peux même plus la conduire. Waouh. Je suis désolé pour ça. Je vous dépose? Oh non, j'irai bien. Je vais prendre un taxi. Allez, vous êtes prêts. Laissez-moi vous aider, ok? Je ne joue pas les têtus. J'irai bien, monsieur. Merci. Ok. Bien. Bonne nuit. Oh bien. Ouais. Un Uber, s'il vous plaît. Oh, je vais à la rue Lipstein. Lipstein, la rue Lipstein. Oui. Ok. Maman, j'ai été tellement inquiète. Pourquoi as-tu mis si long pour arriver ici? Ma voiture est tombée en panne. J'aurais dû prendre un taxi. C'était tellement difficile d'en trouver un à cause des bouchons. J'imagine. Maman, j'ai une question. Comment est-ce que tu vas me déposer dans ma cité demain? Oh, c'est vrai. Nous allons prendre un taxi. Oh non. Tu n'as pas le choix. Maman, écoute, je ne peux pas y aller en taxi, Tu vas arrêter? Va prêter mon dîner. Donne-moi mon sac. Donne-le-moi. Mais... Bébé. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, ta vie sexuelle a été ennuyeuse depuis que t'as hérité de l'entreprise de ton père. Ok, bébé. Non, du calme. Calme-toi. Sylvie, je suis pas d'humeur aujourd'hui. S'il te plaît. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne te sens plus attirée par moi? Non, c'est... Écoute bébé, c'est juste en tant que PDG de l'entreprise, on attend vraiment beaucoup de moi. D'accord, si je travaille pas très dur pour qu'on ait à manger à table, personne le fera. Je veux que tu comprennes que je ne fais pas semblant. C'est juste que les choses ont changé, j'ai vraiment beaucoup plus de responsabilités. Ok, nos folles années de jeunesse, tu sais, tout ça c'est du passé maintenant. Tu sais, aujourd'hui je dois travailler 3 fois plus et... Je veux que tu comprennes ça, s'il te plaît. S'il te plaît, faut que tu comprennes. Mmh. Ok. Je comprends. La super occupée mademoiselle Clara. Dites-moi, le travail, ça va? Super, je me débrouille. Bon, ça va, je peux le voir. Il est 14h passées, vous ne déjeunez pas? Je vais bien, merci. Mais personne ne va bien à travailler toute la journée sans manger. Alors, je peux vous emmener déjeuner. 30 minutes sans travail ne vous tuerait pas, vous savez. J'apprécie votre gentil geste, monsieur. Comment est-ce que je peux aller déjeuner avec mon patron? Ça va à l'encontre de mes principes de travail. Oh. Pourquoi êtes-vous si têtue, Clara? Une petite pause ne vous fera pas de mal. Désolé, monsieur. C'est comme ça que je travaille. Il s'agit du travail ici. Ok, si vous le dites. Merci. C'est incroyable ça. Comment est-ce que cette femme peut conduire toutes ces distances pour aller au bureau? Ça, c'est le genre de distance qu'on fait pour aller au village. Oh. Bonjour, monsieur Jude. Bonjour, Clara. Je suis tombée sur ce dossier. Ok. De l'ancien chef de service. Apparemment, son sponsor s'est dégonflé par rapport à ce contrat, à cause d'une production contradictoire au coût du budget. Mais le contenu est solide. Je crois que nous pouvons révisiter ce contenu. Vous vivez à 3 heures de route d'ici, Clara. Quoi? Ouais. Je sais où vous vivez. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit aussi loin et pourtant, vous faites ce trajet pour venir ici chaque jour. Et vous êtes toujours ponctuel. Je vais bien avec cela, monsieur. Non, c'est faux. C'est stressant. Admettez-le au moins. Laissez-moi vous aider, Clara. La maison d'invités de l'entreprise est vide et bien fournie. Je pense que vous devriez vous y installer au lieu de conduire toute cette longue distance. Allez. J'apprécie votre inquiétude, monsieur Jude. Mais je suis désolée, je ne peux pas. J'ai une maison. Et ça me va super bien. Je ne me plains pas, monsieur. Ok, dans ce cas, je jetterai un œil à votre proposition. D'accord, je vais repasser. Peut-on être aussi têtu? Pas encore, Wally, pas encore. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur cette voiture. S'il te plaît, me provoque pas. Me provoque pas, s'il te plaît. Oh. Il ne l'a toujours pas fait. J'ai dépensé plus de 250 000 sur cette voiture et pourtant ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Je suis juste... Je comprends votre peine. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous déposer puisque pour aujourd'hui vous n'avez pas de solution. Oh, non, 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 merci. Je vais prendre un taxi en route. Et allez, vous n'avez pas à être toujours aussi têtu. Ok, je veux dire, nous savons tous les deux à quel point il est difficile de trouver un taxi pour arriver jusqu'à chez vous. Je ne veux juste pas vous déranger. Bien sûr que non. C'est moi qui serai dérangé si vous n'arrivez pas à rentrer chez vous. Laissez-moi vous accompagner, ok? Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi de rester si loin? J'imagine que je n'étais pas chanceuse. Serait-ce lié à votre famille? Des raisons qui me sont personnelles. Ok. Allons-y alors. Merci. Merci. Hey! Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas croire que tu me trompes. Et je ne comprends pas pourquoi tu rentres à la maison aussi tard. Tu me laisses ici toute seule, toute la journée, chaque jour. As-tu oublié combien tu m'as supplié de venir passer mes vacances avec toi? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Sylvia, il se fait tard, ok? Alors, il serait mieux que tu baisses d'un temps. Ouais, j'étais occupée, mais je suis là maintenant, tu vois? Oh, je vois. Tu étais occupée, hein? Alors dis-moi qui est cette fille. Vas-y, donne-moi son nom. Occupée par quoi? Réponds-moi. Qu'est-ce qui t'occupait, hein? Qui t'occupait? Qui est-elle? Donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Honnêtement, j'apprécie votre bon geste de venir me déposer. Mais l'inconvénient est que c'est trop pour vous. Êtes-vous toujours obligé de le faire? Cela ne me dérangera jamais de vous raccompagner chez vous. Je pourrais le faire aussi longtemps que vous n'aurez pas de voiture. C'est vrai. Merci. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous ne comptez pas m'inviter à entrer, c'est ça? Vous ne voulez pas que j'entre? Me déposer suffisamment de gentillesse. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle représente parfaitement tout ce que j'admire chez une femme. Comme ma mère. Tellement organisée, disciplinée, belle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je en train de tomber amoureux de Clara? Ce n'est pas ta génération, Jude. Elle est bien plus âgée que toi, mon pote. Et il est certain qu'elle ne pense même pas à moi. L'amour. Amour, dans quoi est-ce que tu m'embarques? Tiki! Oh, oh. Non, ne fais pas ça, Sylvia. Arrête, non, s'il te plaît, Sylvia, je n'aime pas ces chatouilles, ok? Waouh. Deux bébés. Ah, Sylvia. Waouh, je t'énerve sûrement aujourd'hui. Où est ma pizza? La boutique avait fermé avant que je n'arrive là-bas, alors je n'ai vu personne là-bas. Mmh. Et qu'en est-il de commander en ligne? J'aurais dû... Est-ce que tu peux arrêter tes stupides explications? Ça, c'est ce qui arrive quand on est attiré par le pot de miel d'une autre femme. Tu sais, je suis tellement curieuse de savoir la position sexuelle. Qu'elle t'a donné, qui te pousse à te comporter si bizarrement et qui te fait m'oublier aussi rapidement. Mais ne t'inquiète pas, mon cœur. Je vais la trouver. Et quand j'aurai l'emprise sur elle, je vais l'écraser en morceaux. Et arrête ça! Tu vas te calmer, ok? Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ouais, je n'ai pas pu t'acheter une pizza et voilà tout! C'est tout! Il n'y a pas de femme, ok? Il n'y a pas de femme! Ok. On verra. Clara, tout va bien? J'irai bien sans la chanson. Je suis désolée. Désolée de vous avoir empêché de profiter de votre chanson. C'est juste que ça me rappelle mon passé. Mon mari et moi aimions bien cette chanson. Nous connaissions cette chanson mot pour mot. Je n'étais pas au courant de ça, je suis vraiment désolée. Je ne la mettrai plus, ok? C'est bon. Merci. Ouais, je vous en prie, entrez. Bienvenue dans mon humble demeure. Ok, je comprends mieux pourquoi vous faites toute cette distance. Merci. Ouais, je me sens déjà comme à la maison. J'ai quelque chose pour vous. Oh, vraiment? Venez, c'est dans la salle à manger. Ok, alors. Waouh. Waouh. Bonté divine. Vous savez, cela fait un bon moment que je n'ai pas mangé un aussi bon repas fait maison comme celui-ci. Vraiment? Ouais. Maintenant, vous en consommez. J'étais déjà rassasié juste en regardant. Waouh. J'espère que vous avez une bière ou de l'alcool pour me rafraîchir quand j'aurai fini parce que... Vous savez, j'aime avoir de l'alcool pour faciliter ma digestion. Vraiment? Ce n'est pas une bonne habitude. L'eau est le meilleur accompagnateur de n'importe quel repas. Alors, tenez. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir, ma puce. Bonsoir, maman. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue et un très bon appétit. Bonsoir, ma puce. Maman, ne me dis pas que c'est l'un de mes cousins éloignés. Je veux dire, il ressemble à la famille de papa. Betty, voici mon patron, Monsieur Jude Odimaya. Quoi? Les Odimais? Oui. C'est un plaisir, je veux dire, soyez le bienvenu. Waouh. Tu t'assois? Bien sûr. En fait, ta mère est... Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que tu avais une fille aussi mature. Betty, les enfants grandissent trop vite. Je comprends. Ok, alors, il faut que j'y aille et je te verrai demain. Ok. Ouais. D'accord donc. Bonne nuit, Monsieur Diode. Bonne nuit, Betty. D'accord. Bonne nuit, monsieur. D'accord, merci. Conduisez prudemment. J'ai essayé. Betty? Oui, maman? Je dois prendre une douche. D'accord. Jude, je suis en train de te parler. Jude, je te parle. Jude, tu dois m'écouter. Jude, je suis prête à te dire que tu me trompes. Je peux le ressentir dans toutes les actions que tu poses. Ne peux-tu pas voir que ça me blesse au fond de moi? Tu ne peux pas? Où crois-tu t'enfuir? Où crois-tu aller, hein? Comment oses-tu t'en aller quand je te parle? Je ne suis pas en train de m'en aller, Sylvia. J'ai juste besoin de réfléchir, ok? Tu fais un drame pour rien. J'en fais trop. Est-ce que tu as dit que j'en fais trop? J'en fais trop. Je n'ai même pas encore commencé. Jude! Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que ce client soit capable de nous faire une telle offre. Je veux dire, 200 millions. 200 millions, c'est suffisant pour faire un travail impeccable. Ceci avec un gros reliquat d'argent. Et je pense que nous pourrons également faire signer 2 célébrités influentes pour qu'elles deviennent nos égéries. Ouais. C'est vrai, Dieu merci pour la connaissance qui est venue en moi à ce moment-là. Ouais. Puis-je te poser une question? Oui, allez-y. Pourquoi es-tu si protectrice envers toi-même au bureau? Il est très difficile pour qui que ce soit de t'approcher ou même de t'aborder. Mais je sais que tout au fond de toi, tu es une très bonne personne. Eh bien, c'est en quoi la vie m'a transformée. Le dernier endroit où j'ai travaillé, mon patron m'a harcelée partout et de toute manière, sachant que je pleurais la perte de mon mari. Mais je n'ai jamais succombé à ses avances. Alors, il a décidé de me rendre la vie misérable. Il a engagé certains de nos clients qui étaient très robustes. J'ai failli être violée à plusieurs reprises. La pression était énorme. Alors j'ai démissionné. Waouh. C'est horrible. Je veux dire, comment a-t-il osé te faire ça? Ça, c'est l'être humain. Peut-être que j'étais très gentille, très taquineuse. Je suis sûre qu'il m'a pris pour acquise. Alors j'ai décidé qu'à mon prochain lieu de travail, je vais me concentrer sur mon travail et sur mon travail uniquement. Je comprends. Mais je voudrais également que tu saches que moi ou n'importe qui ici ne te fera jamais ça. Jamais. Clara, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je ne laisserai plus une telle chose t'arriver. Pas sous mon administration. Merci. Ouais. Ouais. Sens-toi libre, sois toi-même. Sois heureuse. Et rassurée aussi. Regardez celui qui est un orateur. Ok. Merci. Il faut que j'y aille maintenant. D'accord donc. Ouais. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire. Votre produit n'est pas encore reconnu. Oui, ça affectera nos principes encore plus. Je vais vous rappeler, s'il vous plaît. Ok. Monsieur? Bonjour, Clara. Bonjour. Toujours aussi ravissante. Je vous en prie. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Je ne connais pas la relation ou l'amitié que vous essayez de créer avec moi. Mais je suis désolée, je ne suis pas intéressée. Je suis ici pour travailler. C'est une blague, n'est-ce pas? Je suis sérieuse. Je suis ici pour travailler. Je suis désolée, c'est bon. Merci. Ouais. Oh, Sylvia, tu sais que ce n'est pas un bon endroit pour se retrouver. Je m'en fiche. Écoute, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Jude couche avec une true. Et je veux que tu m'aides à découvrir qui elle est. Quoi? Mais je ne peux pas. J'ai trop à faire au bureau. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. 2 millions de naira. Quoi? Accomplis ce que je veux et 2 millions seront à toi, juste comme ça. Oh, oh, oh. Bienvenue, maman. Merci, ma chère. Qu'en est-il de ton ami Jude? Il ne va pas venir? Pas besoin que Jude me ramène à la maison, je vais bien. Non, tu ne l'es pas, maman. Il te fait rire. Il t'a même fait perdre ta timidité. Et regardez qui parle. Je perds ma timidité naturellement. Non, maman, pas du tout. Après ce rendez-vous, tu as été tellement coincée. Tu parles ou tu ris à peine. Pas d'amis. Tu ne décroches même plus tes appels. Tu parles à peine à qui que ce soit. Je pense qu'il est le meilleur ami pour toi. Et regardez celle qui conseille maman, Madame Betty. Maman, c'est la vérité. J'ai compris, maintenant je peux avoir un verre d'eau fraîche. Oui, maman, bien sûr que tu peux. Je suis tellement excitée de te voir heureuse, maman. Je pense qu'il est vraiment bien pour toi et je veux que tu réfléchisses, d'accord? Je t'apporte ton verre d'eau, attends. D'accord. Oh, Betty, allez. Bonjour, Madame Clara. Oui, comment puis-je vous aider? S'il vous plaît, ceci est pour vous. Pour moi? Pouvez-vous gentiment signer ici? C'est de la part de Monsieur Jude. Tenez, merci. Ok. Ok. Ici, n'est-ce pas? Oui, là-bas. Merci. Merci beaucoup. Hey! Salut. Oh. Sur quoi est-ce que tu travailles? Je dois terminer avec ce dossier. Ça doit arriver au patron demain matin, première chose demain matin. Waouh, quelqu'un s'amuse très bien. Qu'est-ce que c'est? De la glace, du vin et une carte. De qui est-ce que ça vient? Tu peux les prendre si tu veux. Vraiment? Eh bien, j'aimerais bien les prendre, mais tu vois, ce n'est pas en mon nom. Alors amuse-toi, ma chère. Hé, hey, je crois que j'ai trouvé la fille qui a volé ton nom. Mais tu dois me promettre de ne pas la blesser, parce qu'elle est importante pour l'entreprise. Je vais t'envoyer son numéro maintenant, d'accord? Qu'en est-il de mon argent? Ok, pas de souci. J'ai piché. D'accord. D'accord. Maintenant, je dois rester en dehors de leurs histoires. Ok, ils vont se débrouiller. Madame Clara, voyons voir comment nous allons vous traquer. Comment est-ce que Jude peut choisir une vieille peau pareille? Et sa beauté même en train de faner. Incroyable. Les hommes. Betty? Ce monde est tellement petit. Wow. Ceci devient plus intéressant. Mm. Maman, je suis prête. J'espère que cette bande de gens ne sont pas comme ceux qui ont volé ton contenu et ne t'ont pas donné de crédit. Comme je te l'ai dit, ceci est le meilleur parmi tous les livres que tu as écrits. Ça m'est cher au cœur. Va là dehors et rends ta mère fière. Je le ferai, maman. Je ferai tout pour toi. Bonne chance. Merci, maman. Je dois y aller, ok? Ah, merci, maman. Souhaite ma bonne chance. D'accord, ma chère. À plus. Fais attention. Salut ma puce, oh. Ça fait tellement du bien de te revoir encore ma puce, tu es tellement ravissante comme toujours. Ça fait du bien de te revoir. Allez, assieds-toi. Voudrais-tu boire quelque chose? Oh, c'est génial wow. De te revoir. Le monde est tellement petit. Je sais. Qui aurait cru que mon aide viendrait de quelqu'un que je connais? C'est bon. Quand tu as aimé mes photos et m'as écrit en privé sur Facebook, j'étais tellement éblouie. Merci de m'offrir ton aide, Sylvia. La publication de ce livre compte beaucoup pour ma mère et moi. J'ai hâte de montrer au monde l'énorme talent que j'ai. Savoir qu'avec ce stylo, je peux créer, résoudre des problèmes, avoir un impact, c'est... Impact. Voilà le mot. J'aime ça, impact. Oui. Le titre de mon travail, c'est « Où que l'amour nous conduit ». C'est une histoire d'amour inspirante et réelle. Basée sur une histoire vraie? Oui. En réalité, ça m'a pris 7 mois pour mettre sur pied ce travail. La mort de mon père a été un énorme impact. Oh. Une fois que tu acceptes de payer les éditeurs pour la publication, le lancement ne sera pas du tout un problème. Mmh. Ok. Alors, de combien parlons-nous ici? Environ... Ah, mais tu sais quoi? Ne t'en fie pas. L'argent n'est pas un problème. Laisse-moi regarder. Merci. Tiens. Mmh. Sylvia? Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? Avec qui est-ce que tu parles? Betty? Mais qu'est-ce que vous faites? Sylvia? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Sylvia? Donc, tu crois que toi et ta mère pouvez actuellement tout détruire, tout ce dont j'ai travaillé pendant des années? Dis-moi, où étais-tu avec ta misérable mère quand j'étais à l'hôpital pendant des mois, dans le coma, parce qu'il avait perdu ses parents, il ne pouvait pas être là. Où étais-tu? Est-ce qu'on ne va pas bien ensemble? Bon. Alors, est-ce qu'on ne t'inspire pas? Je n'arrive pas à y croire. Betty. Donc c'est vraiment vous, monsieur Jude? Betty, je peux t'expliquer. Vous avez passé du bon temps avec ma mère et vous. Vous avez une copine. Je savais que vous ne méritiez pas ce bonheur. Betty. Et en ce qui te concerne, Sylvia, pour avoir ruiné mes efforts, tu auras des nouvelles de la commission de la production. Betty, reviens, qui va ramasser tout ça. Reviens le chercher. Mais... N'importe quoi. Regarde ce que t'as fait. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que j'ai fait, c'est bien épeler le mot amour. Vu que tu es trop aveugle pour voir que tu as été ensorcelée. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais retirer ce masque de ton visage. N'importe quoi. T'es qu'une idiote! Ressemble à un enfant pour toi? Comment as-tu pu oser? Tu crois que tu peux jouer avec moi de la manière dont tu joues avec ces filles maigrichonnes? Je suis une femme adulte. Je ne te laisserai jamais me traiter avec autant de dégoût et de mépris. Écoute, toi et Sylvia devaient être prêts à payer à ma fille les douleurs que vous lui avez causées. En ce qui me concerne, j'ai vraiment besoin de temps pour guérir. Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Ok, Ce n'est pas ce que je crois? Mais pourquoi ça a l'air de ce que je crois? Tu sais quoi? Commence à préparer ma lettre de licenciement. Oui, je ne peux plus te supporter ou cette entreprise, même pour un jour. Écoute-moi, Clara. Tu ne peux pas dire ça, ok? Tu ne peux pas... Je suis très sérieuse. Écoute, Clara, nous pouvons trouver une solution, ok? S'il te plaît, Lâche-moi. Écoute, j'en ai marre de ça, ok? J'ai besoin que tu sortes immédiatement! Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que je peux le faire! Je peux pas. Écoute, Sylvia, j'en ai marre et je suis épuisé par tous les problèmes que tu causes. Sylvia, c'est fini entre nous! Tu ne peux pas me faire ça! Qu'est-ce que j'étais censée faire? Dis-moi! Tu t'es éloignée de moi. Tu as arrêté de communiquer. Tu m'as fait voler stupide dans cette relation. J'ai fait ce que j'ai fait pour sauver notre relation. Qu'as-tu fait? Comme je l'ai fait toujours. Oh super, tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver cette relation, c'est bon. Et si on prenait une pause pour te sauver de cette vie vulgaire que tu mènes de sorties, d'alcool, de chill et de fêtes? Écoute, cette relation ne fonctionne plus. Il est grand temps que tu partes d'ici. Je n'irai nulle part, Jude. Ce n'est pas possible. Sylvia, ne me mets pas en colère. À mon retour, je ne veux plus te voir ici. Dégage. Tu nous déranges toujours après ce que ta copine et toi avaient fait. Je te prie de laisser ma mère tranquille. Betty, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, tu sais. C'est pour ça que je suis venu ici pour m'excuser. Ok? Betty, c'est fini entre Sylvia et moi. Nous n'avons plus rien à voir ensemble, je te le promets, je te mens pas, ok? S'il te plaît. Écoute, j'aime ta mère. Et devenir son ami est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça représente tout pour moi, Betty, s'il te plaît. Je t'en supplie. Beau discours. Mais devine quoi? Ma mère ne pourrait pas retourner avec un gars comme toi, même pas en tant qu'ami. Alors tu ferais mieux de retourner avec Sylvia et laisse-nous tranquilles. Bébé, Betty, s'il te plaît. Ne frappe plus jamais à cette porte, sinon j'appelle la police. Betty, Betty, Betty. Betty, s'il te plaît, je suis désolé. Vu que tu as décidé d'honorer à ma requête, de me licencier, j'ai décidé de le faire pour toi. Clara, attends. Clara, tu peux pas faire ça, tu peux pas. D'accord? Je pense que tu devrais m'écouter, s'il te plaît. Ok? Si tu traverses cette porte, je ne pourrais pas être un homme meilleur. Ok? Clara, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu vois, cette compagnie a besoin de toi. Et j'ai besoin que tu respires, Clara. Qu'est-ce que tu veux ? Exactement. Je te veux, toi. Ok. Écoute, je veux chaque partie de toi. Ok, il y a cette chose que je ressens tout au fond de moi qui est réelle. Je peux plus me mentir. Les sentiments sont réels et ton amour rayonne tout autour de moi. Clara, je suis amoureux de toi. Oui. Oui, je suis et je suis sincère. Du plus profond de mon cœur, je suis sincère. Ok? Et fais-moi confiance, je ferai n'importe quoi. Je pourrais tout sacrifier pour te récupérer. J'ai été blessée par le passé. Et je ne veux plus de drame. J'ai commis des erreurs. Et je ne veux plus les commettre. Hey. Écoute. Il n'y aura pas de drame, ok? Il n'y a aucun drame et... il n'y a absolument aucune erreur avec moi. Merci pour tout. Pas de quoi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Regardez qui est à nouveau amoureuse. Oh, Betty. Merci, PDG. J'ai reçu le transfert de 5 millions de Naira que tu m'as envoyé comme compensation pour mon travail. Wow. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. T'as fait ça? Ouais, je l'ai fait. C'était un dédommagement. C'est énorme. Je sais. Merci. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je peux publier mon livre en paix. Parce que peu importe où l'amour nous conduit. Ouais, on a la référence. Allons à l'intérieur. Allons-y, je vous ai fait un truc à vous. Oh, super. Le studio de doublage d'Aforevo